الذي من علينا بصحة الاعتقاد وطهر قلوبنا من أدران الوثنية والإلحاد وأنقذنا من دركات الجاهلية والشر والفساد سبحانه. سبحت له الأفلاك وخضعت له الأملاك، كيف لا يستولي حبه على القلوب؟ وكل خير منه نازل وكل فضل إليه. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، جل عن الأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد، وتعالى عن مشابهة العباد. لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه. يطاع فيشكر، ويعصى فيعفو ويغفر. سبحانك ما أهلمك يا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من علم معناها وعمل بمقتضاها وحقق المراد. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الموحدين وخاتم الأنبياء والمرسلين، والهادي إلى سبيل الحق والرشاد، والشافع المشفع يوم المعاد. كل القلوب إلى الحبيب تمين، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدًا صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأمجاد والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. ثم أما بعد، اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله ربكم واعبدوه واطيعوه تعالى ووحدوه، فلا إله غيره، ولا رب لكم سواه، ولا معبود بحق إلا إياه. إن أردتم دخول الجنان ورمتم رضا الرحمن وطلبتم السلامة من النيران، فعليكم بتوحيد الملك الديان وسلامة العقيدة من الأدران وتحقيق العبودية لله الواحد القهار. Louange à Allah tabaraka wa ta'ala, qui nous a gratifiés de la conviction authentique et a purifié nos cœurs de la souillure du polythéisme, de l'idolâtrie et de l'athéisme. De même, il nous a arraché des griffes de l'ignorance, du mal et de la dépravation. Allah, nul n'est semblable à lui. Allah est au-dessus d'avoir compagne ou enfant. Allah, il est au-dessus de toute comparaison avec ses créatures. En outre, j'atteste qu'il n'existe d'autre divinité digne d'être adorée hormis Allah, seul, sans associé. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager,
l'imam des monothéistes, le sceau des prophètes et messagers, le guide sur la voie de la vérité et de la raison, et l'intercesseur au jour de la résurrection. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde sa prière, son salut, sa bénédiction, ainsi qu'à ses proches et ses nobles compagnons. Allahumma amin. Après ceci, aux gens, ô vous les croyants, craignez Allah et tabaraka wa ta'ala et adorez-le, obéissez-lui et seulement à lui, aucune autre divinité, si vous espérez entrer un jour au paradis et obtenir l'agrément du miséricordieux, alors adorez le souverain suprême et purifiez votre foi et toute souillure et concrétisez l'adoration et la foi. Un jour, les habitants de Bassora, une ville en Irak, sont venus voir Ibrahim ibn al-Adham et lui dire « Ô Ibrahim, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, appelez-moi, je vous répondrai. Ud'ouni astajib lakum. Ô Ibrahim, ça fait très longtemps qu'on appelle Allah tabaraka wa ta'ala et il ne nous a pas répondu. Et écoute ce qu'a été la réponse d'Ibrahim ibn al-Adham. Et chacun de nous peut l'appliquer et la pratiquer sur sa propre personne aujourd'hui à Paris, en France, en 2016. Et si tu te sens concerné par ces 10 points qu'a cité Ibrahim ibn al-Adham ou ces 10 circonstances. Ibrahim ibn al-Adham leur dit alors, « Ô vous, les gens de Bassora, vos cœurs sont morts et inanimés dans 10 circonstances. La première, vous avez connu votre Seigneur Allah, mais vous ne lui avez pas rendu son droit sur vous. Vous avez certes lu le livre qui est le Coran, mais vous n'agissez pas conformément à ses recommandations. Vous avez prétendu aimer le bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, mais vous ne suivez pas sa sunnah. Vous avez prétendu que Shaitan est votre ennemi, mais vous vous êtes confirmé ou conformé à lui, c'est-à-dire vous avez suivi le Shaitan. Vous avez annoncez que vous désirez le paradis, chacun de nous le dit souvent, j'aime et j'ai hâte d'accéder au paradis, mais vous n'avez pas œuvré pour le paradis. Vous avez dit que vous craignez le feu de l'enfer, mais vous avez mis votre âme en otage par le feu. Vous avez consommé les bienfaits d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sans en manifester la reconnaissance qui devait s'en suivre. Vous vous êtes occupé des défauts de vos frères et vous avez oublié vos propres défauts. Vous avez dit que la mort est une vérité indéniable, mais vous n'y êtes pas préparé. Vous avez enterré vos morts sans que cela ne puisse vous servir de leçon. Voilà les 10 points, les 10 circonstances dont parle Ibrahim ibn al-Adham. Que chacun de nous se pose la question, où suis-je par rapport à ces 10? Est-ce qu'effectivement mon cœur il est mort? Ou là mon cœur il est encore vivant? Est-ce que le prédicateur d'Allah dans mon cœur ou dans le cœur de chaque musulman, est-ce qu'il est encore vivant ou il est déjà mort? Pose-toi cette question par rapport à ces 10 circonstances. Il commença Ibrahim ibn al-Adham quand il dit « Vous avez connu votre Seigneur, mais vous ne lui avez pas rendu son droit sur vous. » Si on pose la question aujourd'hui en 2016, ici à la grande mosquée de Paris, à chacun de nous, est-ce que tu as reconnu Allah comme tuteur, comme Seigneur, comme maître? Chacun de nous va dire « Oui, Allah est mon tuteur, et mon Seigneur, et mon maître. » Et si on lui dit « Est-ce que tu lui as rendu ce qui lui revient de droit ?» La réponse, elle sera un grand « Oui, oui ». Mais maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'apprend et te dit chaque dire, il a une vérité, quelle est la vérité de tes dires? Si tu as attesté que Allah est ton maître et ton seigneur, c'est Allah qui donne la vie et c'est Allah qui prend la vie et c'est Allah qui te donne la subsistance, l'implication de cette attestation verbale que souvent ne dépasse pas nos lèvres, c'est que tu ne fais plus ce que tu veux, où tu veux, là où tu veux. Tu dois suivre les prescriptions d'Allah et suivre les prescriptions de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et s'éloigner de ses interdits. Là, tu dis que j'ai reconnu que Allah, tabaraka wa ta'ala, est mon maître et mon seigneur. Il faut que tes dires soient suivis par des actes sur le terrain. S'ils ne sont pas suivis par des actes sur le terrain, c'est juste une attestation verbale qui ne dépasse pas nos lèvres. Et sache, frères et sœurs en islam, que plus ton cœur il est lié à Allah Azza wa Jalla, plus ton cœur il est connecté à Allah, si j'ose dire, Wallillahi al-madal al-a'la, Allah tabaraka wa ta'ala, tes membres ne font que suivre les prescriptions d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si ton cœur il est lié, tes membres ne font que suivre. En l'occurrence, si tu veux que Allah, ou si tu veux des moyens qui t'aident pour que ton cœur soit lié à Allah Azza wa Jalla, suis les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala en toi et dans ses créatures.
Allah te dit dans le Coran al-Karim, qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit? Comment est-ce possible? On dit, on prétend dire que j'ai accepté Allah comme tuteur, comme maître, comme seigneur, mais je ne suis pas ses prescriptions. Et je prétends connaître Allah. C'est ce qu'il te dit, Ibrahim ibn al-Adham. Tu as prétendu, tu as dit que tu le reconnais, mais en l'occurrence, tu ne suis pas ce que Allah te dit. Alors si tu médites sur les versets du Coran, si tu médites sur les signes d'Allah en toi et dans ses créatures, ça adoucit ton cœur. Et une fois que ton cœur est adouci, tes membres ne font que suivre les prescriptions d'Allah et tabaraka wa ta'ala. Et si tu lis le Coran et tu vois les signes d'Allah dans ses créatures et les signes d'Allah en toi, ça te ramène à une conclusion, c'est que tu vois l'imperfection qui est en toi et la perfection qui est en Allah et tabaraka wa ta'ala. Et Allah nous a donné à travers l'histoire des leçons et des leçons, telles que la leçon où les compagnons, quand ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses dents cassées, le sang coulait sur son visage chérif. Alors que Allah pouvait lui donner la victoire. Là, Allah il nous a mis comme une leçon. Quand tu vois ce qui est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois l'imperfection qu'il y a en toi et la perfection qu'il y a en Allah et tabaraka wa ta'ala. Donc ton cœur voyage et va vers Allah azza wa jalla. Quand tu lis le Coran où Allah tabaraka wa ta'ala te dit, il t'aide pour que tu puisses le vénérer comme il doit être vénéré, Allah nous dit dans le Coran al-Karim, alors qu'il nous a créés par phases successives, n'avez-vous pas vu comment Allah a créé sept cieux superposés et il y a fait de la lune une lumière et du soleil une lampe? Ton cœur, frère et sœur en islam, il faut que tu saches, c'est un récipient. Où tu mets dans ce récipient, tu le remplis avec les actes d'adoration, les actes surrogatoires, où tu le remplis en te rapprochant d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sur ses prescriptions et s'éloigner de ses interdits, où tu le remplis avec la perversité et les transgressions des lois d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et Allah, il t'a laissé ce libre arbitre pour que tu puisses demain devant Allah, tu as deux arguments, ou un argument pour toi, ou un argument contre toi. Allah, il te dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as prétendu me dire, tu as prétendu dire que tu vénères Allah comme il doit être vénéré. Comment tu l'as fait dans le réel? Comment tu l'as fait dans la vie de tous les jours, dans ton quotidien? Comment tu as prouvé à Allah tabaraka wa ta'ala que tu le vénères effectivement? Ensuite, si tu traverses aussi, si tu voyages avec les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala, où il y a une sourate, elle est petite, mais elle est grande. Elle pèse auprès d'Allah le tiers du Coran. Chacun de nous la connaît par cœur. Mais est-ce qu'au moins on s'est donné les moyens? Quand on lit cette sourate, on s'arrête devant chaque verset, chaque mot, et on se pose la question, qu'est-ce que Allah me demande à travers cette sourate? Où Allah dit, il s'adresse à Muhammad, Habib wa Habibukum sallallahu alayhi wa sallam, dit, ô Muhammad, il est Allah, unique, Allah, seul à être imploré. C'est-à-dire implorer pour tout ce que nous désirons. On va vers Allah, tabaraka wa ta'ala. Il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré. Allah, nul n'est égal à lui. Kullukum ya'rifuh. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Est-ce qu'on s'arrête devant cette sourate pour se poser la question, qu'est-ce que Allah veut me transmettre comme message pour que je puisse me soumettre aux ordres d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sans me poser de questions? Allah, samad. Allah, c'est vers lui qu'on lève nos mains. Allah, c'est vers lui qu'on va chercher, l'implorer et chercher l'aide, un refuge, lui demander quand on est éprouvé. C'est vers Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'on va et qu'on s'adresse, on demande à Allah de nous ouvrir des portes quand ces dernières sont fermées. C'est vers Allah, quand je suis malade, que je vais chercher la guérison auprès d'Allah, en ramenant les conditions de ce bas monde, c'est-à-dire aller voir un médecin. Mais j'implore Allah pour qu'il me guérisse et il me donne l'agrément et il me donne son pardon, Allah Azza wa Jalla. C'est vers Allah que je vais vers Allah et je frappe à sa porte et il n'a pas de porte ni de portier. Si ce n'est une invocation de la terre vers le ciel, tu dis, ya Allah, guéris-moi pour celui qui est malade. Ya Allah, aide-moi à rembourser mes dettes, celui qui est endetté. Ya Allah, conforte-moi dans ma pauvreté, celui qui est pauvre. Et c'est là, et soudain, Allah tabaraka wa ta'ala, il donne à celui qui est dans le besoin. Et il guérit le malade de sa maladie. Et il apaise le cœur de celui qui est triste. Et il conforte le pauvre dans sa pauvreté. N'a-t-il pas dit Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah attribue à qui il veut, mais sans compter,
Allah yarzuqu man yasha bighayri hisab. Sans compter. Imagine juste sans compter, Allah te donne. Wa rizq, la subsistance et la richesse, c'est pas uniquement le flouz, c'est pas uniquement l'argent. C'est ta santé, c'est les enfants, une bonne descendance, une femme pieuse, et j'en passe, et j'en passe. Regarde, subhanallah, quand tu lis la relation qu'avaient les compagnons et les prédécesseurs avec Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont rempli leur cœur d'amour d'Allah, la crainte d'Allah, et aller chercher leur souhait que Allah agrée leur action et Allah leur donne et le couvre de sa miséricorde. Au point où ils étaient élevés en degré auprès des gens ici dans ce bas monde et auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le delà. Quand tu lis Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an, cet homme qui a devancé tout le monde dans la foi, cet homme qui a les larmes faciles, pendant sa maladie, on vient lui dire, ô émir, ne voudrais-tu pas qu'on fait appel, on t'appelle un médecin? Écoute sa réponse, et il dit, le médecin, il m'a déjà ausculté. Le médecin, il m'a déjà ausculté, et il m'a dit, il réalise parfaitement tout ce qu'il veut. Il m'a déjà ausculté le médecin, c'est pas la peine. Et quand tu lis l'histoire de Omar, radiallahu ta'ala, ce grand homme gaillard, il avait deux traits sur son visage. Deux traits, quand je dis des traits, ce n'est pas une métaphore, c'est des traits. Tellement qu'il pleurait auprès d'Allah et tabaraka wa ta'ala. Ce grand personnage, au moment de sa mort, il dit à son fils Abdullah, « Ya Abdullah, pose ma tête sur le sol, contre le sable, peut-être que Allah tabaraka wa ta'ala me couvre de sa miséricorde. » Quand tu lis Sufyan al-Thawri, son cœur, il était lié à Allah Azza wa Jalla. Il a vénéré Allah tabaraka wa ta'ala comme il doit être vénéré. Ce n'est pas juste une attestation verbale qui ne dépasse pas nos lèvres. Quand il a fait le tawaf autour de la Kaaba, il a fait deux raka'at, il lève son visage vers le ciel et s'évanouit d'humilité devant Allah tabaraka wa ta'ala. Chacun de nous, il va dire, oui, mais eux, c'est des compagnons, c'est des prédécesseurs. Tu en as aussi dans notre quotidien, dans notre société d'aujourd'hui. Un shir, il raconte qu'un homme qui a fait beaucoup de péchés et beaucoup de fautes, il est venu voir shir, il lui dit, oh shir, j'ai commis beaucoup de péchés et de fautes. J'ai transgressé les lois d'Allah. Oh shir, est-ce que Allah me pardonne? Le shir lui dit, si tu te repentis et tu reviens vers Allah avec sincérité, Allah te pardonne tout. Il était tellement content, cet homme, il marchait quelques mètres, après il retourne voir shir. Il a réalisé quelque chose que moi et toi aujourd'hui, on a souvent oublié. On a souvent mis de côté, on a souvent négligé. Et lui dit, oh shir, quand je commettais, quand je faisais mes péchés, est-ce que Allah me regardait, me voyait faire les péchés? Il lui dit oui. Il a crié un seul cri et s'est évanoui. Par Allah, dis-moi combien de fois toi et moi, Allah nous a vu faire et transgresser ces lois? Combien de fois Allah nous a vu commettre le péché? Est-ce qu'il nous a dévoilé? Jamais il nous a dévoilé. Il nous a toujours laissé pour qu'on puisse revenir vers Allah. Si tu prends une métaphore, si ton fils ou ta fille te désobéit, ou ton frère ou ta sœur ou quelqu'un ici avec toi à la mosquée, il t'insulte, il te manque de respect, il ne te respecte pas, il fait des bêtises, il casse et tu as la patience, mais à un moment donné, si cet enfant te dit, tu n'es plus mon père, je ne te dois rien, tu n'es plus ma mère, je ne te dois rien, que sera ta réaction? Instinctivement, tu vas lui dire, si je ne suis pas ton père, ben sors de chez moi. Combien de milliards de personnes, ils disent à Allah tous les jours, Ya Allah, tu n'es pas notre Seigneur, et on fait ce qu'on veut, où on veut, là où on veut. Est-ce que Allah, il les a chassés de sa miséricorde? Imagine que si l'air qu'on respire, un état le détient, ou une personne le détient, est-ce qu'il te laisse respirer? Imagine que si le paradis, il appartient à une personne, est-ce qu'il te laisse accéder? Par Allah, dis-moi la question qu'on doit se poser. Est-ce que c'est la ilaha illallah qui a changé depuis le professeur sallam, depuis Adam jusqu'au professeur sallam, ou c'est nous qui avons changé? Est-ce que c'est l'islam qui a changé, l'islam de Omar et Abou Bakr et Sofiane Thawri, ou c'est mon islam qui a changé? Qu'est-ce qui a fait que eux ils ont pu atteindre ce summum de foi, au point ils ont vénéré Allah tabaraka wa ta'ala, ils ont même le bienfaire avec Allah Azza wa Jalla. Pourquoi moi et toi on n'y arrive pas? Parce que moi et toi on n'est pas sincère dans les actes d'adoration, et on n'est pas sincère avec Allah Azza wa Jalla. Et on ne vénère pas Allah tabaraka wa ta'ala comme il doit être vénéré. Alors qu'est-ce qu'on attend, frère et soeur, en islam? Pour qu'on essaye d'aller vers Allah,
vers notre Créateur avec sincérité pour qu'on puisse goûter aux délices de la foi. Et tu ne peux goûter aux délices de la foi que si tu acceptes Allah Ta'ala comme Seigneur et Muhammad sallam comme messager et l'islam comme religion. On demande à Allah Ta'ala qu'il nous pardonne. Allahumma ghfir lana ya Rabb. يا أحبتي جاء أهل البصرة إلى إبراهيم بن الأدهم وقالوا يا إبراهيم إن الله تعالى يقول في القرآن الكريم ادعوني أستجب لكم ونحن ندعو الله منذ وقت طويل فلا يستجيب لنا فاسمع وعي ما قال إبراهيم بن الأدهم وقد يكون يطبق علي وعليك ونحن اليوم في باريس في 2016 فقال يا أهل البصرة ماتت قلوبكم في 10 أشياء أولها عرفتم الله ولم تؤدوا حقه قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به ادعيتم حب النبي صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه قلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها قلتم نخاف النار ورهنتم أنفسكم بها قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له اشتغلتم بعيوب إخوانكم ونسيتم ونبذتم عيوبكم أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروها دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بها سبحان الله وكأنه معنا ويعيش معنا إبراهيم بن الأدهم الكل يدعي معرفة الله ولكنه هو أكبر الجهلاء وجاهل بحقوق الله عليه وكل يدعي أنه مؤدي لحقوق الله ولكن وحسرته الله عز وجل أعظم شأنا وأعز سلطانا ولكن الذنوب التي رانت على القلوب حجبت تعظيم الرب في النفوس وأضعفت وطره في القلوب فلما ضعف تعظيم الله في قلوب البشر فاعتادوا على محارم الله وتغوا وفرطوا في جنب الله وبغوا فضعفت في قلوبهم هيبة الله وتناسوا سطوة الله وتغافلوا عن جبروت الله وما قدر قوة الله وبطش الله فهذا نحن اليوم نتكلم عن المولى جل في علاه والحياء يملأ وجوهنا والخجل يعم قلوبنا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه وعظموا ربكم بقلوبكم فإن تعظيم المولى جل في علاه من أعظم العبادات القلبية ومن أجل وأشرف أعمال القلوب فالقلب الذي يقدر ربه هو ذلك القلب الذي تحقق فلاحه ونجاحه وسعادته في دنياه وأخراه وإن من أعظم ما يعين العبد على تحقيق عبودية التعظيم للمولى جل في علاه أن يتذكر ويتفكر في مخلوقات الله وآياته الجسيمة الدالة على عظمة مبدعها وكمال خالقها وموجدها يقول تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا أي ما لكم لا تعظمون حق تعظيمه فإذا تفكر المؤمن وتأمل في آيات الله العظيمة ومخلوقاته الباهرة تهدي قلبه وتسوقه إلى تعظيم الخالق يقول تعالى وهذه صورة كل منا يعرفها الصغير والكبير ولكن يا حبذا لو نقف عندها ونتدبر كل معنى أو ما يريد منا الله عز وجل خلال هذه الصورة وهي تزن ثلث القرآن يقول جل في علاه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله صمد تصمد الملوك إذا اضطربت الأمور ووقع المحظور وذاقت بالحوادث الصدور الله صمد ترتفع إليه أكف الضارعين تطلبه الغيث إذا تأخر نزوله وتسأله الرزق إذا أبطل حلوله وترجوه رفع الضر إذا خيم بذلاله ومن للمبتلى إذا اشتدت بليته وإذ همت كربته وانعقدت غمته من له غير الصمد يصمد إليه من له غير الصمد يشكو إليه من له غير الصمد يفضي إليه من للمريض على فراشه إذا بارت الحيل
وانقطعت السبل وضعف الأمل وعم القلب الوجل، وقال الطبيب لا مفر قد حان الأجل، من له عندها إلا العظيم الصمد، صمد إليه وبكى بين يديه وألح عليه، فإذا بالصمد يشافيه ومن المرض يعافيه. الله الصمد يصمد إليه الفقير إذا أوسدت أمامه الأبواب، وأسدل دون حاجته الحجاب، وألسق بطنه بالتراب، فيأتي الفرج من الصمد، فيكتب غناه بقلم القدر، ويغنيه عن كل البشر، والله يرزق من يشاء بغير حساب. صمد تصمد البرايا إليه، وأنيس الضمائر الموحشات، خالق رازق سميع مجيب، ويداه تفيض بالأعطيات. تأملوا تأملوا أحوال أقوام كيف عظموا الله. يقول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لقد سبق إلى الجنة أقوام ما كانوا بأكثر الناس صلاة ولا صياما ولا حجا ولا اعتمارا، لكنهم عقلوا عن الله مواعظا، فوجلت منها قلوبهم، واطمأنت إليه نفوسهم، وخشعت له جوارحهم، فقاموا في الناس بطيب المنزلة وعلو الدرجة عند الناس في الدنيا وعند الله في الآخرة. هذا هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الرجل الأسيف البكاء، سبق الأمة بإيمان عميق وتصديق وثيق. لما حضرته الوفاة قالوا له: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: إن الطبيب قد رآني وقال: إني فعال لما أريد. وها هو عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفي وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء عند وفاته، يقول لابنه: يا بني ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني. وها هو سفيان الثوري لما طاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين، ثم رفع رأسه فنظر إلى السماء، فوقع مغشيا عليه خوفا وخشية ومهابة لله جل في علاه. وها هو ذلك الرجل الذي قام بما قام به من الفواحش، فذهب إلى شيخ يقول: يا شيخ، لقد فعلت كذا وكذا، هل يغفر لي الله ويقبل مني توبتي؟ قال: إن تبت وصدقت في التوبة فيمحو الله عنك كل السيئات. ففرح ثم عاد، قال: يا شيخ، أو كان الله عز وجل يراني وأنا أحصيه؟ قال: نعم، وكما رآني ورآك الله عز وجل ونحن نحصيه ولم يفضحنا. ولو جعل الله عز وجل للذنوب رائحة ما جلس أحد بجنب أحد، ولو جعل الله عز وجل لكل مذنب على رأسه هذا سارق وهذا كاذب وهذا زاني لكانت المساجد فارغة. ولكن من رحمته جعلنا أو جعل لنا أبواب التوبة مفتوحة. حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس، فذاك للشيطان من غير إشراك به هما سبب النجاة، فحبب السببان. لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. فللواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. وأنت تبحر في القرآن وتمر على آية، يقول المولى جل في علاه: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. سبحان الله، لم يتبرأ الله منهم وهم يسرفون، بل نسبهم إليه وقال: يا عبادي. يا له من إله رحيم غفور حليم. مهما كثرت الذنوب يقول لك: إن الله يغفر الذنوب جميعا. ألم يخبرنا سيدي وحبيبي صلى الله عليه وسلم أنه تعالى ينادي في كل ليلة في آخر الليل: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من ذي حاجة؟ فتفكر يا أخي، تفكر في أحوالك، كم مرة أذنبت ولو فضحك الله لم يسلم عليك أحد، لم يسلم عليك أحد. يا أحبتي، فلنعود إلى المولى جل في علاه بقلوب خاشعة، ونطرق بابه، وليس له باب وليس عليه بواب، إنما هي دعوة من الأرض للسماء تقول: يا الله اغفر لي، يا الله ارحمني، يا الله اهديني. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله
الحمد لله الواحد القهار أحمده تعالى وأشكره يخلق ما يشاء ويختار وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار والعزيز الغفار وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله الأخيار وصحبه الأبرار والمهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم آمين ثم أما بعد فاتقوا الله عباد الله ووحدوا ربكم والتزموا عقيدتكم ونهج سلفكم يا ربي يا ربي عرفت الهوى عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن سواك وبت أناديك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك لنقلها سويا يا عباد الله عدنا إليك رباه عدنا قطعنا الذنب ووصلناك خاصمنا الشيطان وجئناك عصينا الهوى وأرضيناك نحبك ربنا فاللهم ارحمنا يا رب ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم فبدأ بنفسه وأيها بكم أيها المؤمنون قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على النبي الأمي وارض اللهم يا رب على الخلفاء الأربع أبا بكر عمر عثمان وعلي وعلى نساء المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف همومنا واقض عنا الدين يا رب العالمين اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم اجمع شملهم اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين اللهم لا تدع في مجمعنا هذا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا عائلا إلا أغنيته ولا حائرا إلا دللته ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة